Cédric, hein, tu t'es toujours refusé de ne plus faire la fête chez moi à la maison, non? Tu fais quoi comme ça? Mais j'ai pas compris. Pourquoi ton grand frère les exagère comme ça? Pourquoi ton grand frère te parle de la sorte? Hein? Mais il les exagère trop. Tu as ton argent, tu fais ta vie. Il les exagère trop. Trop, c'est trop. Pardon, c'est ton argent. Il faut dépenser comme tu veux. Ton grand frère, il est qui même? Non, on va boire, on est là pour boire. Mais c'est ça. Eh, hey, bonsoir. Ouais, faut utiliser l'argent. Nous, on est là, on te supporte. Même dans ta galère, on était pas te supporter. Camille, les amis. C'est ça. Ouais. Cédric, Cédric. Hey. Attends, tout ça là chez moi ici. Non, mais trop, c'est trop. Cédric, attends, je t'ai amené du village. C'est pour venir faire la fête chez moi à la maison. Parce que si tu commences pas à gagner un peu d'argent maintenant, ça te permet d'avoir des amis et venir faire la fête chez moi à la maison. Mais grand frère, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Tu exagères. Je t'ai déjà dit. J'ai déjà l'âge de faire ce que je veux. Tu t'as amené du village là. C'est pour venir faire la fête à Cotonou. Grand frère, si ma présence ici te dérange, moi je vais quitter ici. Je vais même bien. C'est tout. Je vais louer une chambre. Passa, 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 passa. Bonjour tonton Abyss. Oui, bonjour jeune, comment merci tu vas? Merci beaucoup pour vos conseils. Non. Vraiment, ça m'a aidé beaucoup. Tu es mon jeune frère. Et tes camions là, ça fonctionne toujours? Oui, ça fonctionne. Ah là, c'est bien. Bientôt, je vais prendre. Ah là, c'est bien alors. Là, c'est bien. Vrai, je vais vous dire quelque chose depuis, mais je sais de manière comment je vais vous dire pour ça va m'arranger pour que on ne crée pas de problème avec mon frère. C'est quoi le problème? Votre frère Cédric là, la victime, là, c'est pas bien. C'est quoi, tu la vis encore? Oui, je le vois avec des filles dans les restaurants, partout, ce qu'il fait là. Ça ne m'arrange pas. Attends, depuis là qu'il était chez moi, il est parti louer quelque part. Il a depuis 2 mois maintenant, je ne le vois plus. Il ne vient, ne cherche même plus à me voir, à venir saluer à la maison. Oh, je l'ai amené du village pour qu'il devienne quelqu'un de humain. Hein? Donc, il fait les farotages et le coin de l'Ouaïo Manon, c'est ça? Oui, grand frère, ça va mentir. Vraiment, c'est compliqué. Ça va mentir. Dans cette vie, quand tu trouves un peu d'argent, il faut épargner, il faut économiser l'argent. Ni du jour du Daroy en a plein, c'est pour que. Si moi, hein, ça va te permettre d'utiliser demain. C'est comme ça. J'ai compris même. J'ai compris. J'ai compris, d'accord. Continue comme ça. D'accord. Continue comme ça. Merci, d'accord. Oui. De rien. C'est qui? Rentre. Cédric. Oui, grand frère. Grand garçon. Bon ça. C'est quoi? Tu es venu me saluer? Non, grand frère. Je regrette. Tu regrettes quoi? Je regrette. D'avoir fait quoi? Je suis venu vous demander pardon. Attends. Tu es venu me demander pardon de quoi? Parce que tu as quitté la maison. Mais tu es déjà grand. Tu as des femmes maintenant. Mais tu regrettes quoi maintenant? Il y a quoi? J'ai tout perdu, grand frère. J'ai tout perdu. Hein? Et ces 2 derniers mois, vraiment. Attends, tu as quitté chez moi à peine 3 mois, tu as fait. C'est depuis quand moi j'ai quitté le village. Mais tu regrettes quoi maintenant? Tu es déjà grand. Tu es devenu boss maintenant. Maintenant, c'est pas parce que l'argent est fini, maintenant tu vas revenir me voir. Tu retournes au village. Tu comprends? Tu retournes au village. Parce que, regarde ton frère là, ton ami là, qui venait ici là. Là, il y a 2 camions là, dit. Toi, quand tu trouves un peu d'argent, c'est pour aller faire farotage, c'est pour aller le couper à Yomadon. Tout ça normal? C'est des cas. Parce que moi, je sais que tu peux pas changer. Oh, grand frère, pardon. Et je vais suivre vos conseils désormais. Et je vais pas retourner au village, s'il vous plaît, pardon. Et faut que je reste ici. Je peux pas retourner au village, je vous demande pardon. Tu ne restes pas chez moi, tu retournes au village. Je te ramène au village.